Au nord d'Albanie, il y a deux personnages euh, principaux. Il y a le personnage de Annie, qui, qui est joué par Céline Bonnier, qui est une mère monoparentale, euh, une mère d'une adolescente de 15 ans euh, et d'un jeune garçon de 11 ans, donc euh, Sarah et Félix. Annie, c'est une mère euh, qui, qui se cherche, qui tente d'aider sa fille. C'est un personnage euh, qui, je dirais, qui est quand même assez complexe, angoissé, qui, qui cherche à qui cherche à être une, une bonne mère, mais qui, qui visiblement euh, prend les pires décisions pour, pour sa fille, dans ce cas-ci. Donc sa fille, euh, Sarah, une jeune, une jeune fille de 15 ans, jouée par Zinette Blanchet, qui est une jeune femme, je dirais, assez timide. Euh, moins avec sa mère, mais socialement assez timide, euh, qui vit, qui vit une intimidation, euh, qui se cherche aussi dans sa, dans, sa, dans sa sexualité, qui est un peu en mode exploratoire, mais c'est très, euh, euh, très embryonnaire en fait son, son le côté exploratoire. Elle a une relation très problématique avec, euh, avec sa mère, comme on peut, on peut le constater euh, plus le film avance, euh, une espèce de relation un peu euh, en symbiose même. En fait, je pense que pendant l'enfance, il y avait une relation qui était très symbiotique et à l'adolescence, il y a un peu cette jeune femme-là qui essaie de trouver sa place et donc qui rejette un peu tout ce que sa mère représente. C'est ça, ces deux personnages magnifiques, complexes. La thématique de, de la perte, de l'abandon, de la solitude est en fait, je pense, quelque chose qui... qui qui se retrouvent dans, dans tous mes films, mais particulièrement dans celui-ci, euh, où, en effet, on a des personnages qui se retrouvent au, au même endroit, qui viennent de réalités totalement différentes, mais qui, ultimement, euh, ont des blessures secrètes, des blessures qu'ils que, qu n'arrivent pas à partager avec les autres. Et c'est dans cette rencontre-là qu'ils vont devoir... Euh, qu'ils vont être confrontés à eux-mêmes et qu'ils vont devoir finalement... Euh, faire face à leur vie et aux décisions qu'ils que, qu ont, qu ont prises dans, euh, dans leur vie. Euh, donc, il y a le personnage de Annie, bien entendu, qui fuit Montréal avec sa fille parce que sa fille a commis un geste irréparable, disons. Il y a le personnage de Paul, qui est le mécanicien, qui vit aussi son propre drame. Euh, il a perdu sa femme euh, il y a à peu près 16 ans, donc, dans une fusillade. Euh, et donc, il a un peu mis de côté sa vie, qui a un peu perdu aussi, qui a mis de côté un peu sa relation aussi avec sa fille. Donc, c'est un peu l'adolescent, en fait, les deux adolescentes dans le film euh, confrontent leurs parents à leurs failles, à leurs faille, leur contradictions. Euh, c'est beaucoup ce que j'avais envie d'explorer. Mais, euh, mais en effet, je pense que la sous-thématique, c'est vraiment... Ces deux solitudes qui se retrouvent, en fait, et qui, qui se reconnaissent euh, l'une dans l'autre, finalement. Le personnage de Annie et de Paul. Oui, bien, en fait, euh, j'ai coproduit au nord d'Albanie, j'ai réalisé, j'ai co-scénarisé. On a tourné à l'automne 2020, donc c'était au tout début de la pandémie. Euh, les tournages venaient de recommencer. Il y a eu beaucoup de défis parce que, moi, premièrement, euh, c'était très coûteux tourner en pandémie surtout au début. On, les choses se sont ajustées depuis les, la vaccination mais au départ euh, c'était compliqué, il a fallu que je change mon découpage technique, il a fallu qu'on voulait aller au, on voulait aller tourner un peu aux États-Unis. On a dû euh, reproduire les Adirondacks ici au Québec. Donc ça ça a été euh, un, un gros défi en soi et puis trouver des locations, en effet, ça a été difficile mais aussi, dans ma mise en scène, au départ, je voulais plus, plus de plans-séquences, mais il fallait qu'on calcule la distance entre les acteurs. C'était vraiment complexe à l'époque euh, tourner. Euh, tourner. C'est pour ça qu'il y avait peu, peu de projets en 2020. Euh, il y en a beaucoup qui ont mis ça sur la glace pour un an. Mais nous, on a été un peu kamikaze. On voulait, on voulait tourner. C'était important pour nous de le faire. Euh, de le faire en 2020. Donc, euh, je pense qu'ultimement, là-dedans, il y a eu des belles surprises au bout de la ligne, mais ça a été quand même un défi assez colossal. Je pense que dans tous mes projets, il y a, il y a tout le temps un... Il y, a, il y a tout le temps un aspect social, l'engagement social. C'est important pour moi. Euh, mon dernier court métrage était sur les droits à l'avortement, l'autre d'avant était sur les droits de la communauté LGBTQ. Donc, je, je pense qu'avec Au Nord d'Albanie, j'avais vraiment le goût d'explorer la parentalité, la fuite, euh, l'incommunicabilité, mais c'est certain que je, parce que ce sont tout ce qui est social et, et quelque chose qui m'interpelle énormément, c'était tout naturel de parler d'intimidation, de parler de... de, de euh, de fusillade aux États-Unis. C'est quand même... L'action se passe quand même aux États-Unis. Donc, je voulais pas non plus euh, montrer un pays qui est idéalisé. Non. Je voulais montrer la réalité de c'est quoi les États-Unis sans jugement, mais parler des, de ce qu'on... de ce que nous, on peut percevoir quand on est de l'autre côté de la frontière, de ce qu'on voit aux nouvelles, de, 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 des drames qui sont vécus par les, par les Américains en 2020-2022, mais aussi ce qui fait partie de ce, du passé de ce pays-là. Donc oui, il y a, il y a aussi l'aspect d'esclavagisme qui, qui, qui est venu tout naturellement, en fait, quand, quand Claude Brie et moi, on, on s'est mis à écrire le, le film. en fait je pense que comme réalisatrice je suis assez précise quand, quand je dirige des acteurs parce que je suis à la base comédienne aussi en même temps je veux pas imposer ma vision dans le sens que c'est à moi de composer aussi avec la personnalité, la couleur de chaque, chaque acteur et d'essayer de, de, de faire ressortir ce qui est important pour les, la trame narrative, pour le récit, euh, pour les courbes de personnages. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de discussions en amont avec les acteurs. Par la suite, sur le plateau, l'on tombe dans des, dans des nuances de réplique à réplique. Puis on, mais, mais comme je disais, on, on a beaucoup de discussions entre nous, euh, moi avec les acteurs individuellement, mais aussi en groupe. Avant de commencer à tourner une scène, pour moi c'est hyper important de savoir cette scène-là sert à quoi, pourquoi pourquoi on la fait de cette manière-là, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on veut que le spectateur ressente ultimement à la fin de la scène. Donc juste pour qu'on soit tout le monde sur la même euh, sur la même page. Je pense que ce qui est le plus difficile pour moi dans le processus créatif, c'est vraiment l'écriture. J'ai plus de résistance à écrire <laughs> qu'à réaliser, bien entendu. Euh, J'aime beaucoup tout ce qui est la, la préparation avec mon équipe, au niveau de la direction artistique, au niveau de, de trouver des références visuelles, etc. Ça, c'est la partie où je m'éclate euh, je m'éclate le plus, je dirais. Ensuite, le tournage est toujours une espèce de tourbillon où là, on, on met de côté tout ce, qui est, tout ce qui est trop théorique, puis on plonge. Donc, à la fin d'un tournage, je me souviens pas de grand chose, pour être vraiment franche. C'est comme ça. Mais je peux pas, je peux pas réaliser avec ma tête. Il faut que je le fasse. Il faut que ce soit presque intrinsèque dans, dans, par rapport à qui je suis puis et, et, et ce que je perçois, c'est c'est beaucoup pour moi euh, utiliser mes antennes, utiliser mon intuition euh, dans, dans le day to day. Là, sinon la partie du montage. Euh, j'ai eu la chance de travailler avec Aube qui est une monteuse extraordinaire. C'est c'est pas c'est pas facile le, le montage, je trouve, parce que parce que c'est une réécriture. Peut-être que ce que je trouve le plus difficile finalement, c'est l'écriture, soit en amont, l'écriture du scénario et la réécriture en, en montage. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de choix à faire. C'est tandis que la préparation, puis les, tout ce qui est Post-production, euh, au niveau du son, au niveau de la musique, la, co la, la colorisation, c je, ce sont des parties que j'aime énormément. Je me reconnais, je me retrouve, en fait, je retrouve ma création dans, à travers ces, à travers ces, ces, ces périodes de travail-là. Là. Mon album est difficile à trouver parce qu'on parle de 1997, je crois, ça fait quand même très longtemps. Euh, J'étais très jeune. J'ai fait un album euh, comme chanteuse, ça s'appelait Marie. En fait, je m'appelais Marianne. Je n'avais pas de nom de famille. C'était un peu la mode à l'époque. <laughs> Donc, j'ai fait un album ici au Québec, ce qui a quand même très bien fonctionné. Euh, et par la suite, j'ai enregistré un album en France qui n'est jamais sorti parce que le président, c'était avec IMI France. Le président euh, est parti. Il y a un nouveau président qui, qui, qui a pris sa place et qui a un peu euh, mis de côté euh, les projets de l'ancien président. c'est ce En tout cas, c'est la façon qu'on me l'a expliqué. Donc, euh, ça me manque. Ça me manque pas vraiment. J'aime beaucoup la musique. La musique fait partie euh, intrinsèque de tous mes projets. Mais comme chanteuse, je me, je, je me sentais très seule. J'aime beaucoup travailler en équipe. C'est vraiment ce qui m'alimente euh, le plus. J'ai besoin de ce feedback-là, j'ai besoin de, de ces échanges-là. Ça, ça me nourrit énormément dans ma création. Donc, comme chanteuse solo, je trouvais ça difficile. Euh, je trouvais ça difficile d'être seule, sur scène, d'être seule. Parce que j'étais pas dans un band, c'est vraiment, vraiment Marianne euh, et. J'avais j'avais pas vraiment de musiciens qui me suivaient, j'avais des musiciens pour mes albums, j'avais des musiciens pour certains spectacles, mais c'était pas. Il me manquait ce, ce côté-là, ce côté d'avoir une équipe avec, avec moi qui. Pour aussi, comme on dit, ben on des idées. Là, pour pouvoir échanger. puis... Puis, puis aller dans la petite, comme faire avancer les choses dans la même direction. Là. Oui, ma première expérience d'écriture, c'était euh, certaines chansons. J'ai pas, pas écrit toutes mes chansons, mais ça aussi, c'était très ardu. Je viens d'une famille bilingue aussi, donc j'ai comme un cerveau moitié français, moitié anglais. Donc les, les, mots, les mots me viennent pas nécessairement facilement. Donc c'est plus, plus, plus tough pour moi, écrire. Mais en même temps, euh, je pense que c'est un besoin viscéral que j'ai aussi, de raconter des histoires.